Bonjour à tous, c'est 14h14, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une nouvelle vidéo, après un mois hein, quand même. La dernière vidéo date du 30 du 37 non, du 1er septembre. Là on est le 1er octobre. Donc je fais le bilan. Je fais le bilan du mois de septembre simplement. Alors il n'y a pas grand chose à dire franchement, je vous le dis. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Hein. Il s'est rien passé quasiment durant ce mois. Hein. Alors j'ai pas eu d'orage, hein, j'ai rien eu, j'ai pas fait de vidéo. Hein. Comme le mois de mai, j'avais rien eu non plus. Alors, attendez. Je regarde ma feuille, voilà. Bah je vais parler des températures parce qu'il y a eu juste des records de froid décadaires, hein, pas mensuels. En début de mois, hein, notamment chez moi, il a fait 5,8 degrés, je crois que c'est le 8 septembre. Bon, le 9 septembre, je sais plus, c'est assez bas. Mais il n'y a pas eu de record mensuel. Donc voilà, voilà, notamment à Beauvais et Pontoise par exemple, il a fait 2 degrés en minimal. Je prends l'exemple, j'ai pas tout noté, il y a quelques petits records décadaires, mais des premières pour une première décade bien sûr. Donc du premier au 10, la première décade. Voilà, mais il n'y a pas eu grand chose. Hein, voilà. Ou alors encore à Bricbec avec normalement je crois avec 4,2 degrés ou à Arras avec 3,4 degrés, voilà, c'est l'exemple. Voilà. Il y a eu par contre, alors il y a eu un record de chaleur mensuel là sur le mois, hein, en deuxième décade, j'ai noté c'est à Nîmes. Avec 36,8 degrés le 17 septembre quand même, et quelques records de chaleur décadaire aussi pour une mi-septembre, donc cette fois-ci c'est de chaleur en deuxième décade. J'ai pas noté vraiment, il y en a eu, moi non, moi j'ai pas eu cette chaleur, hein, parce que oui, il y a eu de la chaleur assez remarquable pour une deuxième décade pour une mi-septembre. C'est comme la vague de chaleur fin août, hein, il y avait eu de la chaleur remarquable pour une fin août, quelques records décadaires je crois, mais pas autant mensuel, donc c'est pas exceptionnel, c'est remarquable quand même, mais voilà. Voilà, donc là c'est pas la chaleur qu'on a eu hein. En septembre, c'était je sais pas trop comment expliquer, je sais pas, bah, les journées chaudes, je sais pas comment dire. Voilà, mais j'ai pas noté le record décadaire, y a pas grand chose quoi. Voilà, donc ce que j'ai noté, alors ce que j'ai noté c'est juste le record de froid décadaire, les records de chaleur décadaire aussi, pour une deuxième décade là cette fois-ci. Et un record, non, ça y est, un seul record mensuel sur ce mois de septembre, c'est à Nîmes, donc voilà. Avec 36,8, elle a battu un ancien record qui était 36,2, je crois, je l'ai pas noté vraiment. Je l'ai fait hier, j'ai noté, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de tempête ou coup de vent. Bon, après, on s'en est en septembre, hein. C'est pas trop encore la période, même si les coups de vent, il peut commencer à en avoir plus. Voilà, il n'y a pas eu d'orage. Comme la dernière, le mois de septembre 2018, la dernière, je n'ai pas eu d'orage. Le mois a été très sec, d'ailleurs, sur ce mois aussi, hein, et comme la dernière, hein, mais la dernière, c'était le troisième plus sec quand même. J'ai eu ça, voilà, j'ai pas eu d'orage dans mon département, là je crois pareil, ou un seul, il n'y a rien eu quoi. Franchement, il est intéressant, hein, il y a. Moi, mais le mois, je pense, alors je pense qu'il a été un peu plus doux, un peu plus chaud que la moyenne, je pense, à part au début du mois qui a été frais. Je pense qu'il va avoir un petit excédent très léger, hein, je pense, un peu comme avril. 0,7 degrés, je pense, enfin je sais pas, on verra bien qu'il commence. Mais voilà, et voilà, rien d'intéressant. On verra octobre, hein, là, ouais, on verra. On verra pour la sécheresse, hein, de toute façon, là les pluies, clairement, c'est vrai que ça fait du bien pour le sol. À voir si ça sera durable et tout, si ou c'est juste une pause comme ça pendant 2 semaines. Enfin bref. Bah franchement, je vais arrêter là. Franchement, 3 minutes, là ça dure. Les bilans, j'ai fait souvent sur 7-8 minutes. Là, elle dure 3 minutes, il n'y a que dalle à dire, hein, je suis désolé. Bah voilà, il n'y a rien à dire simplement. Hein. Bah moi, je vous retrouve à la prochaine, hein. Je ne sais pas quand encore une fois. J'ai un petit risque aujourd'hui, mais je n'y crois pas. Donc on verra peut-être aujourd'hui, je crois pas, mais bon. Ouh là, allez, 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 à la prochaine, je sais pas. Je sais pas du tout quand. Allez, moi, je vous dis à la prochaine, allez, ciao, ciao.